encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer de mon capeur de sommeil. Yeah. J'tire une coupe de porte-clope, j'obtonne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur. Yeah. J'parle de Florida, un pike, et demain soir j'suis à Montmagny. Non, Crocker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore à la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois le top Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bar, notre insouciance est replue. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose plus le temps, mais que feront nos enfants quand il leur restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je porte mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partons fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour, chaud du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parque mon vieux camion, je vois toute la Belgique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On va tuer la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. N'empêche que moi aussi, comme je brûle tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fume ici, puis dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que